qu'il y a des difficultés, on se remet en cause. On voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui renouent avec l'entrepreneuriat. Je pense qu'il y a 5 ans, 10 ans en arrière, on ne voyait pas beaucoup de jeunes qui pourtant peuvent avoir les compétences pour se lancer chef d'entreprise, mais qui ne se lançaient pas. Il faut savoir que là, je dis toujours que la peur est le premier frein au développement et au changement. C'est vraiment la peur, la crainte, etc. qui nous empêche de progresser rapidement.